Salut YouTube, on joue Xinfu la paix dans la jungle, on va tester, on va voir s'il y a du beau jeu et est-ce qu'on est capable de se feed, de faire le taf, de carry, enfin bref, vous aurez compris, on va voir ça. On va voir ça. Est-il possible de carry avec ce Xinfu la paix? Faut m'aider. En termes de ça, je pense à Pistolam, je pense à Ginzo, Dandashore, des trucs qui avaient fait l'impact quoi. Claude Leech également. M'a volé. Oh, m'a volé le blue, putain. Putain, il m'a troll ma game, lui, déjà. Ah ouais, tu lags. J'ai l'impression qu'il troll, en vrai, no joke. Genre... Mec, si je me fais une veille dès que je meurs, t'es report, hein, no joke. Tu troll, voilà, je me fais int, là, gros, genre. Je dis que je go jungle, il va jungle, il prend une dague en support, il me nique le blue genre. Et ça va. Ça va gros hein, tranquille hein. Mais bien toi. ,100% il troll, ouais, je pense qu'il troll en vrai. Je pense qu'il troll, mais bon c'est pas grave. On a connu pire. Du coup j'ai tenté un gank level 2. Faut cheese du coup, quand vous faites in comme ça, il faut cheese, faut tenter un truc en early. Nice flash ça. C'est pas trop mal. On va laisser le reste pour... Attends, je prends la stack de Dark Harvest quand même. Hop. Ah, nickel. On va faire les loups. Let's go. C'est à cause de connards de genre que chaque coup, à terme, le streamer ne joue plus avec les subs et les viewers. Bah après, je sais pas, peut-être qu'il troll pas, mais bon, genre, c'est... Ça fait beaucoup, tu vois, déjà. J'ai pas de blue en plus, j'ai pas de mana avec Xin. T'as tellement besoin de mana au début. Mes sorts coûtent trop cher. Les streamers jouent pas avec les viewers pour deux raisons en fait. Déjà pour ça, pour éviter les trolls qui gognent ou les smurfs qui joignent, tu vois. Et pour éviter les gens qui ragent quand ils sont pas tirés au sort en fait. Je pense que c'est pour ça que même moi, bientôt je ferai plus de game viewers hein, malheureusement. C'est comme ça. Parce que bah, à chaque fois que je fais des game viewers, bah, les gens qui sont pas tirés au sort ils quittent le live, tu vois. Donc je gagne. Ça me sert à rien quoi en fait. Au final, je gagne pas de viewers et y'a rien qui se passe quoi. Elle a vu que c'était wardé ou pas? Bah nickel, la claqué le heal, elle est morte. C'est nickel ça. Putain de gang ça. Ça, ça met bien la team ça. Je back, 1300 gold. On va commencer par un pistolet. Il y a une rock qui se fait casser le cul hein, par Mad Mike. Heureusement que le best d'Ineu est présent. Bah là je suis AP donc je vais rien faire de la game hein, je te rassure. Là je suis AP mon bro. Et on va juste faire ça, smite bleu. Et on va direct prendre de la paix. On va commencer par la Ginzo je pense. Non, on prend le pistolet. Par la Ginzo. On va faire Ginzo first. Contre Kha'Zix, ça va être nul à chier du coup, parce que le temps que je stack ma Ginzo, bah, il m'aura tué en fait, il m'aura one shot. Bon, on va voir. Tu veux se rétropiquer avec Viver? Ouais, ouais. Non, je n'ai jamais joué avec toi et je suis toujours là. T'inquiète, bro. Non, après, je parle pas de tous les viewers, évidemment, mais. C'est le problème des. Des game viewers. Après sinon c'est cool tu vois, ça me dérange pas, je continue à en faire, hein, y a pas de soucis. Mais je sais qu'un jour j'en ferai plus à cause de ça quoi. Quand j'aurai plus de job et que je serai obligé de faire streamer indépendant, ben, je peux me permettre de faire des game viewers, à chaque fois je fais des game viewers, je perds. Tu vois quand je fais des coachings, je suis entre 100 et 120 viewers en principe. Dès que je fais les game viewers, ben, on reste à 60-70 tu vois. Parce que ben, voilà les gens dès qu'ils sont pas tirés au sort ils se cassent tu vois. Des fois on passe à 80, d'un coup dès que la game commence on passe à 60. Tu vois. Nice, ils ont bien joué là. Les deux ont bien joué là. Clairement. Bien joué à Kaisha là. Je vais au bot là. Il a fait la lanterne de trèche comme un con en plus.
Nickel, bien joué. Kaisa qui joue bien. Il est chaud le bro Kaisa là. Nickel. On va faire le crabe. Il y a Kha'Zix ici. Qu'est-ce que tu fais toi aussi? Tu veux pas KS? Il a pas voulu KS, Indorox, il est mignon. Vous l'avez vu? Bon, je suis bien là, 3-0-2 déjà. Je suis plutôt bien. En même temps, j'ai mon Xin, hein. J'ai mon main là. Mon nouveau main. Hein. 74 stacks déjà? Parfait ça. Pas de chance, 3 fois pour ma part et en 5 semaines, je suis sleep. Nice. T'as des ratios AP? Ouais, mon mode de ratio AP, ouais. Je sais pas de combien, on va voir. Et mon crit aussi, enfin le soin de toutes les 3 autos et un ratio AP aussi. Donc on va voir. Bon, c'est pas viable, hein, je te rassure, bro, mais on va voir ce que ça propose quand même. Peut-être que ça va proposer du beau jeu, tu vois. Faire ça, faire des bots. C'est un ratio de 0,8, je crois. C'est pas ouf, hein, clairement. C'est pas ouf, mais bon. Pas grave. On va commencer par la Ginzo, il était métopé de toute façon, dans tous les cas. Le heal est pas mal, par contre. Le heal est pas mal. Ça heal plutôt bien. Bon, Kha'Zix est en 1-1, il a. En même temps, je le défonce pas clairement. J'ai pas beaucoup de dégâts en fait. Faut que je profite de ganker, de mettre beaucoup de pression et de prendre beaucoup de stacks de Dark Harvest en fait. C'est là que je dois mettre beaucoup de pression. Parce que même si j'ai pas beaucoup de dégâts, bah, j'ai la CC du A et du Z donc ça me permettra de prendre des kills faciles je pense. Sans trop forcer. Yazio qui. J'arrive bro. Je vais pas laisser le Nasus former comme ça. T'inquiète pas, je suis là pour toi frérot. Il gagne au mid, c'est parfait ça. On va le dive ce Nasus. Hein. Ok, avec Kha'Zix. Je vais le buter dans sa jungle. J'ai le cramp. J'aurais dû l'air instant. Est-ce qu'il est pas là ce bâtard? Ah il était là. Parfait. On a volé le petit gromp. Bah nickel. On va voler son blue maintenant. Kha'Zix sans blue ça fait la gueule hein, croyez-moi. Là il va bien faire la gueule là. Ça, je me trouve plutôt bien avec un blue volé par le bait, franchement. Ah, il perd le botlane. J'ai bientôt ma Ginzo ou pas? 1500, ouais. Oh merde. Ah, je suis mort. Crap, crap, crap! Ah, il a flash. Il a flash. Ah, je suis déçu. J'ai pas réussi à le tuer. J'aurais dû R direct. J'ai grid mon R. J'ai pas beaucoup de dégâts. Comme vous pouvez le voir pour l'instant, ça me retarde de ouf. Là, si j'étais AD, j'aurais fait un V2 en fait. Donc là, le Kha'Zix, il faut bien qu'il profite de mon pic de merde. Parce que si j'étais AD, j'aurais tué les deux. J'aurais déjà mon item AD rempli en fait. Et j'aurais zingué les deux en 2 secondes. Ouais, il y a moyen de gagner clairement. Là, juste, c'est un peu peur, mais bon. Ça va. C'est quoi ce build? Je go full AP. Je vais go Ginzo, je vais go Flow de Lich, Pistolam. J'aurais dû faire Pistolam en first.
Faut que tu tignes, Rox, dès le début du trade. Faut que tu tignes dès le début, gros. Ulti. Non, non. Oh, nice. En vrai, il a fait de la merde, les yeux. T'aurais dû juste courir. Et t'aurais été baisé. Ah, je l'ai eu, bah les couilles. Je l'ai eu. Après, chaque coup, il aurait dû go in avec son R et tout. Enfin, je sais pas. NP. Bon, c'est pas grave. Maginzo, c'est parti. On a un peu de dégâts. D'accord. Il me tue, ce Chaco, mec. Je sais pas s'il troll ou quoi, gros. Ou s'il est juste très débutant. Mais je sais pas. Il me tue. Ah, il a dans son fantôme. C'est normal, tu te fais se casser le cul. Ok, bon, t'as pas grave. J'aurais max EQ, après le Z ça sert à rien, je suis pas AD. Mmh. 0-3-0-2, ouais. Ça va être dur cette game au final. Ça va être dur, malgré les gangs que j'ai fait. Ça va être très dur. On tombe de raid. Le E ça baisse pas le CD en fait, ça qui est dommage. Je l'ai maxé mais j'aurais pas dû le maxer en fait, ça sert à rien. Pour la tour, hein, bah les couilles. Nickel ça, bien joué. Profite de la pression de l'Inrox. Bon, c'est la botlane que je vais ganker là. Par derrière. Nickel. Parfait. 106 stacks. Je suis partout sur la map. Je suis présent sur 7 kills. Nickel. On casse le cul, Yasuo. On respecte pas. On va gagner le Nasus maintenant. Je sais pas si on peut le tuer en vrai. Il est tellement bien en vrai. Non, 1-0, il a un cœur gelé. Ça c'est chaud en vrai, tuer ça. Faut y aller par contre, Yoyo. Hein. Oh, c'est moche ce que t'as proposé, bro, là. Recule, Kha'Zix, recule. On tue ton Nasus et on se casse. T'as compris? Back. Pas besoin de grid, là. 2500 gold. Parfait. 124 stacks. Trop forte. Tu fais d'autres avec les viewers. What? Je sais pas en vrai ce que tu dis, gros. Ok, on va go. Ouais. Dans le Nashor, je pense. Pistolet. Pistolet mieux.
Bon, la vue c'est vraiment big. Hein. Attention, tu vas te faire dive, Nidorox là, recule. Oh, botlane il perd hard. C'est normal. Chaco, la caisse est un peu toute seule là, clairement, j'ai vu ce qui s'est passé. Mais... C'est pas un peu même, c'est elle est seule, genre. Ta gueule, toi. Qu'est-ce que tu fais dans ma jungle? Tu m'expliques? Pas dégueu mes dégâts. Tu flash in là? On prend plein de stacks, 140 déjà. Je vais go full la paix en fait les gars, pour ceux qui n'ont pas compris. On max un peu tout, ouais, au final. L'Uden Landry se fait mal avec Nasus. Ouais. L'ancienne Landry. Il donne plus de peine maintenant, donc. Tu feras un Nasus max un jour. Oui, t'inquiète, t'inquiète. J'ai mon pistolet à là. En vrai, je grid pas, je le fais direct. Hein. Ça, je croise quelqu'un, je le one shot en fait. Kaïsta est vraiment nul, clairement, comme espace et tout. C'est cool. La game va être plus facile que ça. On va faire des tabis. En termes de bot, on n'est pas obligé de faire des trucs AP. Vu qu'ils sont full AD en face. Ok, je vais essayer, faut bot. Faut qu'il joue safe au bot là, genre il joue trop agressif. Mais chaque coup il troll mec, hein. Je pourrais. NF Buns gros, c'est pas contre toi gros, mais je sais pas si tu int ou quoi gros. Tu fais rien gros. Je vois pas gros, t'as go trop tôt. Bon, on est 4v5 du coup. On compte pas le Shaco, il est présent sur un kill. Ça va être très très chiant cette game, une fois de plus je suis isolé. La snipe, j'ai joué ça. Je fais des bons dégâts quand même. Quand j'aurai dans Nashor, ça sera encore mieux. Je fais quand même les bons déjà. Bon, Kha'Zix me casse le cul en 1v1 là. Ok. J'ai pas mal d'attaque speed en plus. C'est bizarre d'avoir autant d'attaque speed sur Xin, normalement j'ai pas autant. Ok, go down de Nashor maintenant. Go down de Nashor. Elle a plus de summoners elle. D'accord. 200 d'AP, le E rajoute. Il fait 300 de dégâts. Non, faut mettre une auto, bro. Allez, mettre une auto, une Rox. Faut pas fuir quand t'es sur côté mort, faut mettre une auto. Tu l'aurais eu, dommage. NP. Nice, ils ont chopé la... Ici d'avoir les autres. Ah j'ai raté putain. Oh, vas-y c'est chiant les games comme ça. Oh. Bon.
C'est compliqué les gars, vous êtes dur à porter ces deux dernières games quand même là. Vous êtes un peu de gens à porter. Vous pesez genre 172 kilos chacun. Je donne tout pour vous les gars. Je joue un putain de Gin full AP et je suis en F3. J'ai in sur le kit du Kha'Zix là. Faut vraiment que je me fasse un compte genre bronze silver pour jouer avec vous parce que là, contre des golds, pas possible. Pas possible. Mec, il y a Nasus gros, il a 180 de farm. Il est tellement bien dans la game quoi. Il a... Nasus gros, genre 390 stack gros. Nasus il fait 1v5 là. Quand j'aurai dans ma chance, il y a Kha'Zix au top, donc on va profiter de faire le break. Nickel. Petit Drake des familles. Bon, 200 stacks de Dark Harvest, est-ce que ça va faire la game? Je pense pas. On va réussir à monter à 300 stacks, hein. Il n'y a pas beaucoup de push qui a été fait là. Heureusement que t'as l'habitude de porter des gros meubles. C'est vrai. Au final, ouais, lol, ça ressemble un peu à mon métier. Non, mais je dis ça pour rigoler. Mais c'est vrai que là, c'est compliqué. Ça va être très très dur cette game. Ils ont un bon late game en fait avec ce Nasus de merde là. Bon, mon pic il pue littéralement la merde. Hein. On a vu que j'ai pas les bons déjà. Il y a un Kha'Zix qui est en 5-1. Et qui pue la... En plus, le Kha'Zix il pue littéralement la merde, les gars. Genre. Je l'ai dominé en early avec Zinapé quand même. Il est mort qu'une fois parce que bon, il se fait pas punir en fait. Et que moi qui peux le casser la gueule en F1, donc il joue sur ça. Bon, en F1, je le gagne, je pense, au final, avec les tabis là. Lui il fait un V2, mais easy quoi. Je vais tenter, hein, mais bon. Let's go. Hein. Ça va, il fait pas un V2. Il fait pas un V2. Il a flash en plus, c'est nickel. Du coup ça push, évidemment. Norox qui fait pas une super game non plus hein. 3-7, Norox j'avais confiance en toi hein. J'ai l'habitude de t'inviter normalement tu carry les games mais là... Tu me laisses un peu solo là. Faut def hein, let's go hein. Go hein. Go go go, on engage. Mec, mes dégâts. Est-ce que vous avez vu la Kalista? Disparition hein, Kalista gros. C'est pas fun. Nice. Tu le Kha'Zix en V1, ça c'est bien. La stack de Dark Harvest. C'est un français en face. Tu prends de l'hémorragie. Genre Morello. Ouais non mais je vais pas faire Morello mec hein. Je fais un stuff à base d'attaque speed en fait tu vas voir. Là ça va, là je suis pas trop mal. Je bats dans le Nashor. Maintenant il faut juste le Rabadon pour augmenter tous les ratios. Genre le ratio de la Ginzo, les ratios de la dent de Nashor et les ratios du pistolet sur les dégâts. Rabadon et après on fera un visage spirituel pour voir la régène. Déjà là je dois avoir pas mal de régène en vrai. Putain, pas mal hein. 200 de régène toutes les 3 autos, c'est pas horrible. Ouais, j'ai un peu de dégâts là quand même. Là j'ai un peu de dégâts. No joke là, pas vraiment de faire le beau. J'ai 250 stacks en plus. On a dit je peux le casser le cul là en vrai. Y'a pas de RM. Let's go bro. Je crois que je casse le cul, hein. Je suis pas sûr rien. Bon, on lui déchire sa gueule. Il est pas assez tanky ce Nasus. Au plus ils attendent en face, au plus j'aurai de stack moi de toute façon. Hein.
Je vais être un monstre après, hein. J'ai là presque 300 stacks, mec. Salut toi. T'es vraiment un fils de pute, Kha'Zix. Attends, fuir à chaque fois avec ton perso de merde. Toi, t'es mort, toi. Voilà. Tu payes pour Kha'Zix. Vous avez mis des dégâts? Pas mal le burst, hein. Pas mal, hein. Venez. On se le fait, ce putain de Nashor. C'est le meilleur call, ça. Je me heal dessus, les gars, je me heal dessus. Ah, je pouvais pas. Reculerie, recule, 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 on a une lâche, on a une lâche. Back. On a une lâche. Bon, Chaco, bro, par contre, je vais retenir ton pseudo parce que c'est compliqué ce que tu me proposes quand même. C'est pas que. Je dis pas que tu trolls, mais. Bon, je crois qu'on y est presque. On y est presque quand même là. Tranquille, je voulais chill sur LOL, mais bon. Bah, je tryhard pas en fait. Sinon, je go full AD. Et ton jungler, il peut pas farm. Qu'est-ce qu'il veut lui, genre? Il croit que je tryhard la Kalista. Oh, le Kalista, elle croit que je tryhard vraiment. Parce que je joue Xin full AP. Mec, respecte-moi, sans déconner. Mec, si je go full AD en fait, ton jungler il fait rien de la game. Hein. Je sais pas si t'es au courant, mais il serait pas en 7-3 là, il serait en 7-13. Là. Nice, je kite avec mon R là. Ah, je suis mort. Mais joue, Chaco, joue! Ah, il joue pas, gros! Ah, il a joué! Nice. Ça, tu vois, il fallait le dire, il fallait le spectate pour qu'il fasse des choses. En même temps, tu t'es dégâts, tu joues avec et contre du Silver 2. Bah, ça veut rien dire ça, je fous la paix. Je pense pas qu'on a dû sur Silver 2, hein, entre nous. Hein. Ou alors c'est du smurf. Il a vraiment bien joué la game. Bien farmé, bien stack. C'est pas du Silver 2 mec, hein, son level on a dû ça. Hybride plutôt. Non. Je fais un rabadon. Oui, après je vois ce que tu veux dire, tu dis hybride parce que j'ai les pistolets, mais les pistolets tu te fais sauver souvent sur des AP. Mon E fait quand même 500, hein. Ça va, c'est pas trop. Venez m'aider les gars. Venez m'aider en fight en fait. Bon, j'ai one shot le Kha'Zix avant de nous crever. Là j'ai dit sur deux personnes là, là il y a joué pour Kari là. Oh, c'est terrible. C'est terrible, ça pue, ça pue. Ça pue, on a plus de dégâts. Non. Pas trop mal joué en vrai Nidorox ça. Bon, c'est un peu trop tard quand même pour faire ce genre de choses. C'est un peu trop tard pour faire des plays. Nasus patine 5. Ouais, voilà, tu vois. Je le sentais, tu vois. Même parce qu'il a Nasus, quoi. Il farm le late game. En vrai, j'ai beaucoup de dégâts, hein, mais. Je peux pas, genre, je suis. On a le broken en 0-9, 1-9, tu vois. Genre, j'ai pas de frontline. En fait, s'ils avaient des tanks, ça allait, tu vois. Mais je me fais hard focus par le Nasus qui met des patates assez insane. GG. Est-ce qu'on puisse avoir un impact en top lane en jouant que des tanks? Bah ouais, de toute façon tu peux quoi avoir de l'impact en jouant des tanks, hein. Je suis quoi, obligé de travailler en normal.
Non, c'est pas question de trahir. Bon, tant pis, c'est pas grave. Elle sera quand même sur YouTube, on a fait quand même du taf. Bref, quand même le bon jeu. Bon, je suis un peu déçu pour le Shaco quand même, parce qu'il a un peu hint la game. Hein. Il l'a pas fait exprès, je pense, mais bon, il m'a niqué mon blue. Oh, j'ai eu S. Nice. Bon, on va voir un peu les dégâts quand même. 32k. Pas mal, pas mal. First de la game quand même. Avec Nasus juste après. Ouais. Pas trop mal, pas trop mal. Dommage, on a vu le potentiel de one shot une fois sur. Sur Kalista, mais là j'ai pas pu tester avec le Rabadon sur Kalista ce que ça donnait. Je pense que je mettais un dash, une auto-attaque avec. Avec le proc pistolet, mais c'était la mort quoi. Bref. Voilà. Du coup, c'était une bonne game. Voilà. Pouce bleu YouTube et à la prochaine.